You need a breath of fresh air. Don't try to hold it in. Let the new vibes begin. You need a breath of fresh air. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes samedi. Je n'ai pas vlogué hier. Concrètement, c'était la pire journée en termes de douleur pour ma sciatique. Donc je suis restée vraiment au repos hier. Et j'ai pas filmé. C'est pas facile parce que j'ai hyper mal. Et je pense qu'il faut que je revoie l'ostéo la semaine prochaine. Mais il faut que j'attende lundi. Il m'a dit d'attendre jusqu'à lundi. Le nerf à droite est toujours aussi inflammé. Enfin, là ce matin, du coup, je me suis levée. Je me suis dit que je vais pas me laisser abattre parce que... Ils disent que pour la sciatique, faut pas rester alité non plus toute la journée, faut quand même être mobile, mais faut pas trop marcher, donc c'est pas trop ce que t'es censé faire en fait. Mais du coup, ce matin, je me suis préparée, j'ai fait du repassage, j'ai rangé toute la chambre d'Ella. Et bon, maintenant, évidemment, j'ai hyper mal au dos, mais je pouvais pas laisser, enfin, j'arrive pas à laisser les trucs se dégrader autour de moi comme ça et voir la maison qui devient n'importe quoi. Donc voilà, je me suis dit voilà, pendant 2 heures tu bouges et puis après tu te poses et tu fais un truc où tu bouges plus pendant 2 heures. Donc là j'ai des trucs à vendre sur Vinted, donc je vais m'asseoir. J'ai plein de livres déjà, je vais prendre tous les livres en photo. Faut que je mette cette caméra à charger pour l'instant. Et après j'ai tous les vêtements que je dois vendre sur Vinted. Pour l'instant mon Vinted il est toujours en vacances et je le réactiverai une fois le confinement levé. Voilà, je vous le dirai de toute façon sur Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Si c'est pas le cas, c'est là que je dis quand je lance une vente Vinted, ça part hyper vite quand je lance une vente. Donc je vous préviens un peu en avance et après je la lance. Voilà, sinon la chambre de bébé a bien avancé mais je vais vous mettre en charge et je vous montre ça juste après. J'ai un truc à vous dire, mais vous ne le disiez pas à mon père. Vous le dites pas. Vous le dites pas à mon père. En fait c'est qu'on va manger des fraises à la chantilly. Pour le goûter? Oui. C'est un secret. Mais il fallait pas le dire à mon père, ne le disait pas s'il te plaît. Ne le dites pas. Ne le dites pas s'il te plaît, parce que sinon, ça va barder. On se retrouve plus tard, il est pratiquement l'heure du goûter, 16h. Madame est en train de jouer au Lego, parce que tu veux montrer ce que papa t'a ramené de course. Ce papa est beaucoup trop gentil. Moi j'ai eu déjà 2 boîtes de Lego de la Reine des Neiges. Ouais. Enfin, depuis le début du confinement, quand Nico va faire les courses, des fois il ramène des trucs pour Ella. Qu'est-ce que j'ai eu pour Ella? Ouais, montre-nous. Mais là il a un peu craqué. Il a dit que c'était vraiment exceptionnel. Parce que demain c'est la journée des papas et il va. Et ouf! Est-ce que t'es pas trop gâtée? Elle a failli pleurer tellement elle était heureuse quoi, elle. Alors ça va, c'est qu'elle n'est pas encore trop gâtée. Elle a vraiment conscience de la chance qu'elle a. Nico est allé récupérer le drive et il en a profité aussi pour prendre ce qui manquait du coup en plus. Mais on fait toujours d'abord un gros drive et il va compléter. Oh le petit plaisir sucré. Alors je vous l'ai pas dit mais... Mais ça fait 2 semaines que je n'ai pas grossi. Voilà. J'ai réussi à stabiliser mon poids en cette fin de grossesse. C'est un miracle. Ah bon, ça n'a pas duré, hein. Bébé grossit, donc je vais forcément grossir encore, je pense. Même si je pense que mon corps peut l'épuiser dans toutes ces réserves que j'ai faites. Hein. Mais voilà, j'ai quand même réussi à stabiliser mon poids et pas à m'emballer. Donc pour l'instant, je suis contente. On verra. Hein. Autant je vais me prendre 2 kilos d'un coup et voilà. Mais ce mois-ci, j'ai réussi à bien... Enfin, j'ai arrêté de manger des pâtisseries Nico. Là, je me fais un petit plaisir. Mais franchement, c'est vraiment peu de fois dans la semaine que je fais ça. Parce que c'est le sucre qui me tue, qui me fait grossir quand je mange pas de sucre. Même si je mange normalement à côté des pâtes. On a commandé les frites et le burger l'autre jour et tout. Je prends pas de poids. Mais c'est vraiment dès que je mange trop de sucre... que j'en prends. Donc voilà, je fais attention parce que j'ai quand même pris 20 kilos hein, depuis le début, donc il faut pas non plus trop j'aimerais vraiment limiter la casse quoi. Bon, et du coup je vous montre les murs terminés. Je trouve ça trop trop beau, il a géré, franchement c'est canon. Donc voilà, hop. Et du coup ici bah, on a l'emplacement de la verrière. Du coup la verrière, il faut absolument qu'on commande
qu'elle est toujours pas en commande. Elle va partir de là-haut, elle va venir comme ça, vous avez là le cadre. Et jusqu'à à peu près ici, je suis désolée, ça ne veut pas faire le focus, j'arrive pas à faire le focus sur ce mur. Et ça va venir à peu près 10 cm en dessous du beige, même pas 10 cm, 5 cm en dessous du beige, elle va s'arrêter genre là. Et elle va aller jusqu'en haut, et elle fera cette taille là. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai décidé de pas me laisser abattre par la sciatique, hein, je vous l'ai dit. Mais je n'arrive pas à ranger les courses. Donc Nico m'a dit range juste le frais, laisse le reste et tout. Parce que j'arrive pas à me pencher en fait. Et ranger les courses, franchement. Pourtant j'ai rangé toute la chambre des là et tout, mais là ça me fait mal. Je veux pas forcer parce que j'ai peur de me retrouver encore complètement bloquée. J'ai quand même encore des choses à repasser. Donc la planche est sortie, profitons-en parce que je ne repasse jamais. Et là ce matin j'ai repassé tous les vêtements des là qui avaient besoin d'être repassés. Et j'arrive pas à... Il y a tout qui est là en plus. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est le bordel là et j'arrive pas à gérer la maison en étant handicapée avec ma jambe comme ça. Là, ça me... Elle m'amène une béquille et là. Ouais, j'ai une béquille. Faut pas m'appuyer trop sur la jambe. Non mais je vous jure, ça prend des proportions, n'importe quoi. Je vais essayer de ramasser le linge dehors, au moins ces robes là que je vais repasser, comme ça je mets tout dans son dressing. Et elle a tous ses vêtements, repassés. Parce que j'ai plein de robes que je mets jamais, parce qu'elles sont pas repassées et que bon, j'ai la flemme. Donc là au moins tout est repassé et on est tranquille pour les 2-3 semaines à venir. Bon, du coup la petite Ella a fait la balade avec ma mère, mais moi maintenant je prends ma petite heure de sortie pour aller juste sur la place du village. Et on fait un parcours. Ella fait un parcours là. Au moins elle se dépense encore. Elle est contente. 10 points noirs, coccinelle au revoir. Bah alors je t'ai dit point noir, tu t'en vas ou tu restes? Oh, elle abuse un peu quand même. En plus elle me fait caca 3 fois dessus, c'est pas cool. Bon, ce soir on fait l'apéro live sur l'insta de Nico. C'est Nico qui a lancé ça, c'était l'idée de Bib. D'ailleurs Bib va participer, on va faire participer des abonnés. Donc Nico prépare un petit apéro là. Le principe c'est juste, enfin on va faire des petits jeux en live et tout sur Instagram. Ça va être cool. Du coup je suis en train de ranger un peu. Le salon est là, est monté là-haut avec ma mère. Et parce que du coup elle dort là-haut ce soir la mère. Elle dort à peu près, avant au début quand ma mère est arrivée, elle dormait pas trop là-haut. Et là elle doit dormir à peu près une nuit sur deux. Cette nuit elle a dormi à la maison, mais elle en profite parce qu'elle sait, depuis qu'elle sait que ma mère va repartir, voilà, c'est plus la même histoire. Donc voilà, on est en train de préparer nos petits trucs. Je meurs de faim, c'est à 8h. Du coup, je grignote un peu. Mais je grignote un peu maintenant parce que je vais pas manger pendant le live devant les gens en fait. Les ustensiles. Nico va faire un petit cocktail. Mon cocktail préféré. Son cocktail préféré, le Mystérical. Magic Memorito, je sais pas quoi. Moi, je vais sûrement me boire une tourtelle twist. Hein, qui est évidemment sans alcool. Parce que je peux rien boire. Les gens ils vont me dire tu bois quoi? Je vais la mettre dans un verre parce que s'ils me voient boire un truc qui ressemble à une ça, bière, hein. Les gens ils vont me dire qu'est-ce que tu bois? C'est comme ça. Hein. Je sais pas. Nico il a un kit de. J'inaugure ce soir. De barman là, mais il sait même pas comment ça marche. C'est trop rire. Les coulisses de l'apéro live. Autant ça va être un échec total, on n'aura aucune connexion. Ouais, c'est possible. C'est pas ma bombe, on a bien préparé. C'est pas de la bière, je vous rassure, c'est de la tourtelle twist. 0% d'alcool. C'est pas bête. Non, mais bon, je précise parce que tu bois de la bière, mon dieu. Le truc qui se bouge, mais il faut être très doux. Regarde, ça. Ça là, je sais que ça se pivote comme ça, tu vois. Hop. Tu vois, il y a ça. Il y a les portes qui marchent aussi. Il y a plein de trucs qui marchent. Faut juste être très doux. Ça. Tu l'as mise dans son lit du coup. Et t'as vu ça, tu peux lui prendre sa couronne pour la mettre sur la tête hein, si tu veux. Et son armoire elle s'ouvre aussi on dirait. Ouais l'armoire elle s'ouvre aussi là. Avec, il y a les vêtements dedans, regarde.
Nico a acheté le château hier et il a construit ce matin. En fait, c'est des autocollants, les vêtements. Ah, j'avoue, c'est des autocollants. Mais... Il a passé 2 heures à le construire ce matin. Ouais, vraiment 2 heures. Mais vraiment, je crois. Ouais, bah oui, on a regardé toute la Reine des Neiges, ça fait 1h40. Ouais. Après, on a regardé un épisode d'Elena, je sais pas quoi. Elena, je sais pas. Maintenant, je vais me prendre une douche pendant que tu joues pourquoi avec. Pourquoi il dit Elena, je sais pas quoi. Bon, ce midi, comme tous les dimanches, on mange avec Babo. Voilà, barbecue. Barbecue. En question. Ouais, écoute. Poulet vrai là. Bon, là c'est parti beaucoup trop loin dans la cabane du dimanche. Comme chaque semaine, ça part de plus en plus loin. Plus que c'est ainsi, papa, plus que tu m'as dit non. T'es une. J'ai bien visé. Allez, lance-le. Bon, on se retrouve en fin de journée. On a passé une bonne après-midi. Oh, là, c'est faux. Mais vous savez que je suis tapée avec une bouteille dans le bain. Ouais, elle s'est tapée la bouteille de shampoing dans la lèvre. Et ça l'a un peu saigné. Bon, du coup, bon, voilà. Maintenant, elle est très mal. Oh. Bon, c'était il y a 1 heure, mais elle vient de s'en rappeler. Ça fait pas 1 heure, ça fait 1 minute. Et du coup, cet après-midi, il a fait hyper chaud. Je suis restée en short et en t-shirt toute la journée depuis ce matin. Il devait faire 25-26. C'est trop bien, ça y est, c'est parti. On est allé se promener, j'ai réussi à marcher un peu. C'est le premier jour où j'ai beaucoup moins mal. J'ai encore un peu mal, mais ça m'a fait du bien de marcher un petit peu. On n'a pas marché comme d'habitude, hein, mais j'ai pu prendre le soleil. On a fait notre petite heure de sortie et ça nous a fait vraiment du bien. Aujourd'hui, c'est la journée des papas. Aujourd'hui, c'est la journée des papas, c'est le dimanche. On fait des cabanes et on fait tout. T'aimes bien le dimanche, hein? Et tout. Oui, j'aime bien le dimanche. C'est ton jour préféré? Et en plus, on mange chez Babo. On t'a mangé de barbecue chez Babo. Ouais, c'était bon. C'est très bon. Elle adore. Voilà. Et là maintenant, on va remanger les restes du barbecue. Ce soir, Nico est en train de refaire cuire de la viande sur notre barbecue à nous. Parce qu'il y a plein de restes de viande à passer. Et ce soir, moi, je fais mon petit zoom avec mes amis d'enfance. Voilà, bonne journée. Par contre, mon ventre, je fais une photo tout à l'heure. Et j'avais fait une photo il y a 15 jours dans le miroir. Et mon ventre a énormément grossi. Alors moi, je n'ai pas trop pris de poids. Depuis 2 semaines, j'ai vraiment pas pris grand chose. Par contre, mon ventre a énormément grossi et il est bien descendu. Donc, ça fait un peu peur. La fin approche. Je vois pas comment il pourrait être plus gros là. Bon, je vous ai pas dit au revoir hier soir. J'ai fait le zoom avec mes copines jusqu'à minuit. Donc, du coup, après, j'ai pas clôturé ce vlog. Je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à demain dans un nouveau vlog.